demandeur de harmonisation. Donc, la question que vous avez donnée, demandeur de harmonisation de la création ALG. Donc, moi, c'est Alicia. On est très contents aujourd'hui d'être ici pour présenter les deux stratégies. On est très contents aujourd'hui pour le mandat qui nous a été donné. Donc, on espère que les stratégies vont pouvoir vous aider à évoluer et à grandir dans l'entreprise. On a aussi également à vous aider à régler le mandat que vous aviez dans l'entreprise. Donc, si jamais, sinon, par la suite, on peut demander davantage si vous avez des questions. Si jamais, sinon, par la suite, on peut davantage si vous avez des questions. Donc, comme vous avez probablement dit déjà, nous, on s'est informés sur l'entreprise. Donc, ça a été fourni en 56 par mois. On s'est vraiment informés de savoir justement qu'est-ce que ça fait longtemps que l'entreprise existe. Puis, en 98, vous avez ouvert le premier dépanneur. C'était des années, il y a eu beaucoup de changements. Mais pour vous, avec le dépanneur, il y a eu des années de regard justement. C'est important de savoir que l'union des anciens de très différentes dépanneurs que vous êtes avant, ça s'est fait en 2019 avec le nom de très différentes dépanneurs que vous aviez. Ça s'est fait en 2019. Donc, pour la situation actuelle du mandat, l'entreprise donc, a 60 dépanneurs, puis ça consiste en plusieurs services en dépanneurs. Donc, il y a des programmes de fidélité, le lave-tout, le prêt à manger, la livraison à domicile, la restauration des livraisons rapides, puis également la mission de l'entreprise comme on l'a vu, c'est de fournir de la qualité à la clientèle, donc c'est ça qu'on a mis comme forces, faiblesses, les opportunités et les menaces d'en poursuivre. Quand on a lu le cas, on a dit que plusieurs forces, faiblesses, opportunités, menaces. C'est vraiment, vraiment important d'être inconscient de ceux-là pour vraiment continuer dans le bon sens et créer une bonne stratégie, deux bonnes stratégies en lien vraiment avec ce qui se passe présentement dans le monde. Alors, pour commencer, si on va avec les enfants, les adultes, l'entreprise est très bien établie, on la connaît à tous les endroits avec les emplois de travail au Québec. Il y a plus de 60 succursales, donc elle est très bien établie au Québec. Par la suite, nous avons mis une belle diversité. Vous avez plusieurs offres de produits, des lavatos, des dépanneurs, des prêts à manger. Par la suite, le programme de fidélité de l'entreprise, c'est le deuxième meilleur dans les classements de fidélité. Donc, c'est très bien pour l'entreprise, très bien établi. Mais avec une stratégie qu'on va vous offrir, on va essayer davantage de pousser davantage la notoriété sur le marché. Par la suite, dans les faiblesses, ça arrive. Il y a des clients inactifs avec la carte. Ça va sûrement déjà arrivé. Il y a des clients qui la mettent dans leur portefeuille, on pense qu'on va l'utiliser, mais souvent elle reste toujours dans le portefeuille. Donc, avec le graphique que vous nous avez montré dans le code, on a pu voir que dès que le client achetait, il se procurait la carte. On a pu voir que le taux d'utilisation de la carte était très surpris. Et les récompenses, pour être honnête, de tout, sont très intéressantes. Par exemple, vous mettez 100$ d'essence en avec le camion, puis vous revenez 1,50$. Mais pour être honnête, avec 100$ de chez Costco, vous va trouver environ 3$. Il faut revenir 1,50$. Avec les stratégies qu'on va donner, on a trouvé des alternatives à ce compromis. Avec les stratégies qu'on va vous donner, on a trouvé des. Pour les opportunités, mais en ce moment, comme vous savez, il y a eu une pandémie mondiale, donc le coût de la vie a augmenté. Et les gens présentement désirent vraiment sauver des sous. Donc, ça ne devient pas de créer un programme intéressant. Ils désirent vraiment sauver des sous. Donc, c'est un peu les inscriptions des membres avec la carte sont en croissance. Donc, les inscriptions, ça va aider vraiment à l'entreprise à créer de nouvelles offres et de nouveaux. Par la suite, des menaces, il y a des concurrents, comme vous l'avez dit,
station d'essence, on a la fiche à chaque coin de rue. Il y a Costco, tu as un très bon prix sur l'essence. La voiture électrique est dans le croissance. Par cela, je veux dire que les gens vont moins en moins aller au dépanneur. Je veux dire que charger leur voiture électrique directement chez eux ou à une station moins en moins aller au dépanneur. De bande de recharge. Donc, les dépanneurs risquent de diminuer en achandage aussi les prochaines bandes de recharge. C'est vraiment d'y aller avec une formation avec les employés, que ça change avec une formation avec les employés pour eux de prendre la carte. Donc, convaincre les clients ce qu'on a trouvé comme stratégie, en fait, ça serait qu'à chaque fois qu'un commis passe une carte à un client, il y a un bonus de 1. Donc, ça dit, dans une journée, il en passe une carte à 6$ à la journée de plus que lui a dans ses siège. De faire aussi un petit concours à la fin de l'année, mettons les 3 employés qui ont le plus vendu, pour les coûts, ça serait 2$ par inscription, comme on a dit, qu'on donnait à l'employé. Le coût de formation, ça serait 2$, puis les coûts bonus à la fin. Sinon, l'inscription, c'est directement sur l'application, il y a un magasin. Donc, si vous cherchez la carte, c'est directement sur l'application. Puis la communication, se fait directement par les employés qui apprennent à mieux d'avoir une carte aux employés pour les clients. Tout le monde peut en bénéficier, donc les aides de Donc, pour notre calendrier de réalisation pour cette stratégie-là, on a fait ça Donc, on pense que, premièrement, à l'interne, vous savez, une très grosse variété de rabais que le client va pouvoir se procurer avec ce programme de rabais.
président va pouvoir se procurer avec. Donc, le deuxième calendrier de réalisation pour la stratégie. Donc, on a également fait ça sur deux mois. Donc, le premier mois, ça serait de discuter avec les équipes de la station. Donc, comme un peu pour la première stratégie, vraiment rencontrer tout le monde, faire un peu comme un peu pour la première stratégie, on peut tout le monde vraiment informer, puis on peut aussi également des commentaires des autres. Puis par la suite du mois, deuxième mois jusqu'au cinquième mois, ça serait vraiment l'implantation d'un système Ça va vous aider. On espère que ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça va vous aider.
on that back foot. And then they come up, they fire, but I still am on that foot. Et au long moment, on vient nous chercher le moment. Donc, est-ce que vous, en complément, la première stratégie que de vraiment pousser les commis à vendre la carte, d'en parler, et de c'est vraiment pour implanter le système de concours pour que les gens puissent vérifier qu'ils sont gagnés, par exemple. Par exemple, ils vont scanner leur carte en main à des gens, ils arrivent ou leur solaire, non, ils sont gagnés de 5. Ben ça serait, nous on ferait plus une campagne sur les réseaux sociaux peut-être Thank you.